qui se constitue d'une demi-bouteille de grand marnier, d'une rentrée avec du Quattro. Et j'ai été un peu j'ai bu 3-4, mais enfin bon, je crois que ça me donnerait quand même. Une demi-bouteille de gin. Du coup, il y a des cafés. 10 citrons, j'en ai mis 16. 10 sucres, j'en ai mis 16 aussi. Donc, on n'a pas très bien respecté les doses, mais enfin, ça devrait aller. Ça constitue la mélasse qu'on fait la veille et qu'on met au frigo. Mais là, on est assez pressé. On va se passer du frigo. Arrête de bouger, il va se prendre, rien de ça. Et alors, à ça, au moment de servir, on ajoute une bouteille de crémant ou un petit champagne et une bouteille d'un litre et demi de Schweppes tonic. On va aller voir ce que tu as dans sa cuillère. Le moment fatidique. Il faut juste une larme. Mais... voilà. Ici, on va en mettre un peu plus pour être sûr. Pour diluer. Diluer le zip. Couiner un souffle de. Mais qu'on va pas couiller. Bon. Pas trop de chouette. Pas trop de chouette. C'est le seul élément dans la collision. Et dans la salle. Sinon, ça va l'eau. Top. Il vaut mieux pas l'oublier. À table. Défix, dégage. Ah, Obélix! Tu avais pu en avoir un petit peu. Mais non, t'es tombé dedans quand t'étais petit!